Bonsoir, le temps était encore assez maussade ce mardi avec des nuages nombreux et les pluies qui sont revenues cet après-midi par les régions du nord. Les températures quant à elles étaient encore bien douces. Pour demain matin, nous allons retrouver de nombreux nuages entre le sud-ouest et les frontières de l'est avec encore de fréquentes averses, notamment vers les Alpes avec beaucoup de neige en altitude au-dessus de 1000 mètres. Un temps sec mais venté près du bassin de la Grande Bleue et puis des averses également pour le nord-ouest, parfois fortes et orageuses en direction des côtes de la Manche. L'après-midi d'ailleurs, vous retrouverez ces averses nombreuses et parfois ponctué de coups de tonnerre, voire de grésil entre la Normandie et la Belgique. Ailleurs, des averses qui alterneront avec quelques apparitions du soleil, plus généreuses vers l'océan, mais aussi près de la Grande Bleue, mais avec un vent sensible, et toujours de fréquentes averses également vers les frontières de l'Est et vers les Pyrénées, avec de la neige en montagne à relativement basse altitude. Les températures de votre mercredi matin, elles s'orientent à la baisse, assez nettement, entre 3 et 10 degrés, on reste tout de même dans le positif, et puis l'après-midi, les températures qui vont bien baisser pour se rapprocher des normales saisonnières, ça sera tout de même parfaitement raisonnable pour un début février. 6 degrés dans les Ardennes, 9 à Paris, 10 en Bretagne et 17 encore pour Nice. Passons à votre jeudi avec un temps bien ensoleillé sur les régions du sud, alors que sur les deux tiers nord, la grisaille restera très présente avec des pluies fréquentes pour les régions du quart nord-est et les températures vont de nouveau repartir à la hausse avec une douceur de plus en plus nette. Pour vendredi, un temps toujours ensoleillé sur les régions du sud, mais gris sur le nord du territoire avec encore quelques bruines vers les frontières et les températures vont se maintenir partout au-dessus des normal. La suite avec un week-end qui s'annonce plutôt agité. Samedi, la pluie va revenir par le quart nord-ouest et d'autres vont remonter de Méditerranée dans une atmosphère très douce. Pour dimanche, on retrouvera la perturbation qui va se décaler vers les frontières de l'est avec des pluies soutenues et de la neige en montagne. Ailleurs, toujours un régime d'averse avec un temps plutôt instable. Et puis pour lundi et pour mardi prochain, probablement le passage de plusieurs vagues pluvieuses assez actives avec sûrement de fortes rafales de vent à leur passage. Les températures, quant à elles, vont se maintenir au-dessus des normales de saison. C'est donc plutôt un temps automnal qu'hivernal qui nous attend. Demain, nous serons le mercredi 3 février, nous fêtons les Blaises et nous gagnons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée à tous et à demain.